style de jeu, c'est pas forcément un style de jeu, je peux dire pétillant, on va dire. Ou pétillant, je dirais. Shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes from the beginning. Oh shit, what do you know? Two guys standing with guns at my bedroom window. C'est sûr que j'ai appris à calmer mon jeu avec certains coachs en Espagne, dont Dusko Ivanovic, qui m'a bien entre guillemets recadré. Et je pense qu'avec la maturité, j'ai pu apprendre et avoir plus de maturité dans mon jeu. Oui, c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui prennent forcément des risques. C'est plus un jeu style américain, on va dire. Donc, certains coachs en France n'aiment pas, ou en Europe, je dirais, n'aiment pas forcément ces choses-là. Mais le risque, c'est sûr que j'ai dû apprendre à le canaliser et choisir les bons moments. Les coachs me percevaient plutôt durement, on va dire. Surtout en Espagne, Dusko Ivanovic m'a pris sous son aile et je pense qu'il m'a recadré avec beaucoup de dureté, on va dire, pour m'apprendre à, entre guillemets, le métier des grosses équipes. Et ouais, ça a été plutôt compliqué la première année avec lui. Oui, c'est sûr que j'avais un objectif et un plan de carrière avec mes représentants. Aller dans une équipe moins UP en Espagne pour signer un beau contrat dans une équipe plus UP ou qui joue les premières places. Donc j'ai eu la chance de jouer et de pouvoir signer à Vitoria. Donc c'était un de mes objectifs et j'espère aller plus haut si je peux. Ouais, les JO c'est quelque chose de génial, de grand. Avec tous les sports, c'est, je pense, que chaque rêve de joueur, de basketteur ou de sportif en général, c'est quelque chose de génial et j'aimerais faire partie du groupe et je vais tout faire pour démontrer ce que je sais faire et pour entrer dans l'équipe.